L'indication de commencer les matchs. Nous allons avoir la première balle. C'est le Coréen qui commence avec le cochonnet. Et le cochonnet est en jeu. On voit ici qu'il joue très, très proche de la ligne de V. L'important, c'est juste que la balle, le cochonnet traverse cette ligne. Et là, il va avec une première balle très bien placée devant et en face de son, son adversaire. So, Dimitri, you will agree with me that this is a first good first ball? Oui, c'est une première balle quasiment parfaite, vraiment à distance du jack. Ça va réduire un petit peu l'impact et le mouvement des deux balles, mais on a pu voir l'échauffement de son adversaire extrêmement puissant. Donc, s'il touche, ça va quand même créer beaucoup d'espace. Mais là, on peut rien demander de plus qu'une première balle comme ça. We'll see if the Japan player has that power to change the situation here. Good push, hard shot. Move something, but still not as much as he would have liked. But une belle ouverture qui a au moins déplacé la balle rouge puis qui lui crée maintenant une petite pochette pour venir reprendre le point. Je pense que ça va être son choix de pas déplacer une deuxième fois, mais de juste venir s'accoter entre les deux balles. Exactly what you predicted. It was a very good good shot here. Came and found a spot in the pocket and was able to take back the point. Oh, en BC4, c'est vraiment très important de faire jouer son adversaire, de reprendre le point, parce que même si on construit la meilleure défensive du monde avec la puissance et les lobes à disposition, ça peut être détruit. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de voir là. Les deux joueurs qui cherchent juste à reprendre le point puis à faire lancer leur adversaire. So here we have a good example of taking back the point within one ball. This is the goal of the BC4 category. They want to make their opponent throw some balls away, and they end up on top. If you have more than the other opponent's balls left, that's definitely a difference in the outcome of the end here in the score. So same thing for Japan. They're trying to take back the jack with the least amount of shots possible here. Voilà, un petit rappel aussi que les athlètes ont tous des balles différentes qui leur appartiennent, mais des balles qui doivent être construites par des entreprises spéciales avec un tampon spécial sur les balles, puis qui ne peuvent pas être modifiées. Ça fait partie d'un nouveau règlement. Puis ces athlètes-là en BC4, comme ils ont plus de force, jouent souvent avec des balles un petit peu plus molles que les autres catégories. So he tried to go and push, but not enough. He got a piece of it, but he's going to have to go again. Oui, exactement. Il a utilisé sa outil, la balle pour les pousser, les déplacements pour le faire. Ça peut être suffisant. Il a un beau spot de push and tumble pour venir rouler un petit peu entre les deux balles puis passer par-dessus. Je ne sais pas si avec son type de lancer. Il est capable de faire ça, on va voir, ou s'il va juste faire une poussée sur sa bleue. Poussée sur la bleue, effective push on his blue. That's what he wanted to do with the other one, but definitely that he's in a good position here. But not to be sure of the fact that his opponent has been demonstrating quite a bit of power in his shot and precision. Ça se peut qu'on aille pour un lob là. Une poussée, une grosse poussée. La balle qui a bien reculé. Le joueur qui est quand même un petit peu gêné par les balles en avant avec son type de lancer. C'est à peu près là où la balle retombe ou roule. On va voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire.
So we'll see here as there's a couple of, there's a traffic in front of him and a blue ball, but let's see if he can find his way to the jack. He adjusts his chair to get a better view. Powerful, maybe too powerful. On a été sur une poussée sur la rouge, sa balle rouge qui a bien tapé la balle rouge sur le terrain. Malheureusement, elle a aussi rebondi sur la balle bleue, donc elle a rapproché les deux balles, ce qui suffit pas à reprendre le point, mais ce qui doit ouvrir un petit peu plus. He's going to go and try to push his red forward. That's definitely what he's aiming at right now. J'irai sur un ricochet sur la bleue. Donc il a été sur une poussée simple. Je ne sais pas s'il reprend. Oui, il reprend, mais le jack est ouvert. Ça laisse quand même une grande opportunité. Parce que, with the space between the two, the blue Japan can come in and split the difference there. There's a gap. So he left the gap for Japan to come in and score. But he has 30 seconds, so he has to execute this shot with not too much delay. Il reste juste 30 secondes, après quoi il ne pourra plus lancer de balle, donc il faut que le joueur japonais se dépêche un petit peu. Mais voilà, exactly c'est what he wanted to do. Come in between the two and score. Donc le Japon a fait un bon lancer ici pour reprendre le point. Il reste une balle à la Corée, donc ça va être important à ce moment-ci. Il y a beaucoup de protection, beaucoup de trafic autour de la balle, le cochonnet. Il y a deux balles bleues là en avant. Je ne sais pas s'il y a de l'espace pour pousser sa rouge. Oui, qu'est-ce que t'en dis? Il va essayer de pousser sa rouge entre les deux bleus, mais ça ne va pas être facile. Donc c'est poussé, est-ce que c'est suffisant? On va voir. Le joueur japonais qui demande le score. Un rouge, donc c'était suffisant de la part du Coréen. Il a fait la job. Donc là, c'est pousser sa bleue. La bleue à droite. Et voilà ce qui est fait. Parfait. So we just witness the effectiveness of these players, how quickly they play. They get the job. Japon d'avoir le cochonnet. On va voir où il va jouer sa balle. Le chronomètre commence. 4 minutes sur cette manche. Et il va jouer encore proche de la ligne de V. Oui, il y a deux joueurs qui n'ont pas la même pathologie, mais qui ont les mêmes habilités. C'est des joueurs qui déplacent beaucoup, donc c'est à leur avantage de jouer proche. Ils ont plus de coups à leur disposition, puis ils sont assez précis. Donc je pense que c'est pour ça que les deux jouent à peu près au même endroit. Même un style assez proche. Et c'est une belle première balle, encore peut-être un peu fort selon les standards de la balle parfaite. Mais parce que là, on est dans la même situation qu'il était avant. Le Coréen a beaucoup de surface à venir trancher entre les deux pour s'appuyer contre le cochonnet. So, the Korean has lots of... he can come and push, put himself right on between the two, the jack and in the blue ball. Oui, le jack qui est visible de la part du Coréen, surtout pour un droitier. Et qu'il a juste à venir sur le jack au complet. Se mettre en avant. Perfect. Donc, in the middle, but on the opponent side. On a des spectateurs qui sont. On peut voir qu'il y a beaucoup de spectateurs qui regardent la game et qui se rendent coup pour coup sur les réactions de joie. Donc, c'est certain que là, on va travailler en force pour dégager ça.
we'll try the big hard shot, open up the jack. Oui, there it is. C'est bien fait. C'était pas une balle qui était facile à déplacer. Deux balles molles collées comme ça, mm-hmm. en plein dans sa ligne. Il s'est ouvert le jeu. Il demande à aller voir. Il a aussi sa balle bleue qui est restée en arrière, fait que soit venir en placement directement, reprendre le point, soit slicer un petit peu le jack. C'est on va voir le. Oui, parce le choix que qu'il va faire. Slice, il cache. Ben, il place le cochonnet entre les deux balles bleues. So if he goes for the slice, he's going to tuck in the jack, and he needs to do slice and stick. Right for a placement right on the jack. Très joli placement avec beaucoup de balles en avant du joueur coréen. L'homme? S'il se sent à l'aise avec ça, oui. Ça serait nos joueurs canadiens, c'est ce qu'il ferait. Mm-hmm. Mais ça dépend du style. Après, il peut y aller aussi pour une grosse poussée, mais c'est pas simple avec le nombre de balles qu'il y a en avant. C'était pour la grosse poussée. Malheureusement. Big push, but it took out his red. C'est ça, avec autant de balles en avant. But the next shot, if he's able to make a lob, then we're, if he's able. Il va y aller pour une grosse poussée encore. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui lobe. Il l'aurait fait avant. OK. Ça va pousser fort encore. Voilà. There it is. Donc une grosse poussée, on peut voir que c'est un then, joueur qui. Then and also there's a ball, a red in the back there for the big push. So he's going to go in placement for Japan right now. If he could get between the red and the jack, that'd be a good spot to be in. Donc on anticipe un placement possiblement entre le cochonnet et la balle rouge. Sur le cochonnet, je pense qu'il a pris le point ici. Oui, il a pris le point. La balle qui est venue se coller. Le rouge est très proche, mais pas collé. La balle bleue en avant qui gêne un petit peu la grosse poussée du joueur coréen. Je pense néanmoins que c'est ce qu'il va faire encore une fois, rentrer très fort. Pour déplacer la bleue qu'il vient de placer. So pour reculer le jack sur sa. And pushes the jack back and have his ball follow. That's kind of the shot that we're anticipating here. As voilà, une grosse poussée sur la balle bleue, ça l'a éloigné, il reprend le point. C'est la stratégie des deux joueurs de reprendre le point un petit peu, peu importe comment ils sont placés, parce qu'ils savent que leur adversaire, même si on est en avant, sera capable de déplacer. Donc la stratégie, c'est vraiment de reprendre le point, puis attendre la petite erreur de l'adversaire. Is that enough? No. Again, can't play too hard because that jack keeps backing up and is going towards red. So it's he maybe need to push. Je pense qu'il va pousser sa balle. Il va avoir deux balles bleues en avant en protection d'une poussée. On voit que l'autre athlète n'est pas très à l'aise avec les lobes depuis le début de la partie. Ça n'a jamais été son choix. Il va voir. Ça va être une poussée simple pour reprendre le point puis espérer. Que son adversaire avec sa dernière balle ne change pas le jeu. I knew that that's the one he was trying to push. So ouais. Il a repris le point. C'est ce qu'il voulait faire. Deux balles bleues en avant. Ah non, il reste deux balles au joueur coréen.
Ben, une grande poussée. Recul de cochonnet. If he backs up that jack towards his red, we'll see how hard he plays this next one. Exactement. Well, he has a bit of a height there. He's actually essayé, going for the lob. Il a essayé le lob. C'était vraiment le coup à faire pour essayer de marquer deux points derrière. C'est jamais simple quand on rate un coup de retenter deux fois le on même. On l'a vu. On voit aussi que c'est pas un de ses coups privilégiés parce qu'il y a plusieurs fois où il aurait pu l'utiliser puis il a choisi d'y aller avec un coup plus poussée. Simple, une poussée. So he attempted the lob. It was very close, but too long. And now we'll see if he tries it again or just goes for a hard push. Again, looks like he has a very, very soft ball in his hand. It's just... Got a piece of his... Oh, two blue. Oui, c'est ça. Il a donné le deuxième point. Exactly with that little bouncer to start this end. Against the Koreans have a deficit to catch up of 3 points. Not impossible. Definitely, he has his work cut out. Oui, on va voir si le joueur coréen est capable de changer la game, de faire tourner un petit peu l'avantage qu'a pris le japonais. L'espace ici, la balle, his first ball is a little bit comes short of the target. There's space for the Japanese player to come and place his ball on the jack and anywhere in between the red and the jack. Exactement, en BC4, on veut vraiment que l'adversaire utilise au moins deux balles pour reprendre le point sur sa première balle. Une pour déplacer, puis une pour se remettre à côté, pour tout de suite avoir l'avantage en termes de balles. Si on fait une première balle, puis que l'adversaire utilise juste une balle, c'est un peu manqué. Elle était suffisamment gênante pour que le joueur japonais décide de déplacer. So the Japanese player decided to remove the first ball of the Korean player. This is what we want when we play in BC4, that the opponent use at least two balls to make the point. So one to remove your ball and one to go on the jack. Good. Oh, perfectly executed by the Japanese player. Parfaitement exécuté de la part du joueur japonais. Une balle pour se faire de l'espace, puis une balle pour venir parfaitement en avant. So with that guard in the back, with a big push. Still Korea to shoot. Donc la Corée encore ici à lancer avec une belle grosse poussée. Comme on voit le style de ces deux joueurs, c'est vraiment de frapper fort, compter un point, frapper fort, compter un point. Donc forcer son adversaire, comme on disait tantôt à Dimitri, c'est que forcer son adversaire à lancer plus de balles. Donc forcing your opponent to use more than one ball to score, and that's what's happening right now. So he has the point. Let's see here, but the jack is quite open to the Japanese, and if he push it back, push it back and follow, it's going to be possibly 3 points that he could do here. Oui, have the upper hand. Surtout le joueur japonais qui, je pense, va utiliser une seule balle pour reprendre le point. Et c'est là où il va y avoir un petit changement dans la partie en termes de déficit de balles pour le joueur de Hong Kong. Ah.
La balle n'a pas suivi, mais c'est sûr qu'il a poussé. Mais si sa balle avait resté avec le cochonnet, ça aurait été encore, encore mieux. So we would have liked that ball to stay, but he did execute. He got, he pushed back the jack. Belle poussée. Les athlètes qui se répondent vraiment coup pour tout. Shot per shot, they're answering. Là, le joueur japonais qui se retrouve pas dans une bonne situation. Là, it's a delicate situation for the Japanese player. Even with a big push, you have the chance that the red one will follow the jack. So. He will for sure try to split or create some space. This is the tactic since the debut of the game, but not an easy one. Like you said. Yeah, like I predicted, the red one follow the jack. Donc encore à bleu, japonais de Japon de lancer la prochaine balle. Il n'a pas réussi à décoller le point de la Corée. Mais on descend à deux balles là, qui leur restent chacune. Donc si ça sera pas, même s'il ne compte pas de points ici, ce ne sera pas un grand écart. Mais c'est important de rester dans le game ici, de peut-être pousser encore. So we can go for a big push again. That's what he does. Now he has something to go on. And the jack, with his last ball, needs to take back this point. Oui, il va venir en placement sur le jack ou s'appuyer un petit peu sur la rouge, mais il restera deux balles au joueur coréen pour faire changer le score. Puis c'est vraiment ce que ces deux joueurs cherchent, finir la manche avec plusieurs balles pour aller prendre en dernier les points sur le jack. Vous voyez l'emplacement là. Qui vient voir le jeu exactement au plus proche du terrain. On peut penser qu'il va y aller fort sur la bleue ou sur le jack pour essayer de le faire reculer. En droitier, il a l'angle un petit peu ouvert, pas complètement, mais un petit peu. Vous voyez, il vient mettre son fauteuil le plus au bord de la ligne possible pour avoir plus de chances de créer de l'espace puis de reculer le jack. Got a piece of it, but still blue counting scoring here. So I don't know. It's more and more difficult to put the ball on the jack here. Là, il faut vraiment venir s'accoter sur le côté du jack, ce qui est un coup très difficile à faire. Like the Korean player have to come on the side of the jack, but it's really hard because you have to exactly put the good power, yes, and not too strong. There's not the risk of landing on the blue, which is scoring right now, but blue, it stops your red from advancing towards the jack. So he has to really nail the jack right now. It's that's his options for scoring. It's a very good shot from the Korean team to take a point here on his own end. Donc, on a un pointage maintenant de
they're going to be needing to conserve and be very accurate in every shot. So we'll see how if he plays this one at the same distance. I'm gambling on the fact that he probably will put the jack at the same spot he did earlier. And playing short to that line. I'm telling you, it's scary. Every time they do that, I just go, ah! Oui, le jack qui dépasse de justesse la ligne du V. C'est un petit risque à prendre. That's the only ball that has to cross the V line. So you will see that a lot of the other balls will be not within this distance. It will be in front of the or on the V line, and they're in play. The only lines that take a ball out of play is the back and the side lines for the colored ball. But the jack ball had to. Oh yes. So there we go. That was a very good first ball. But again, as we see with these players, it's just a nuisance and not a guarantee. Korea has to, but this it's in front there. It's gonna have to hit hard. And they're waiting for a good push, and now let's see if he can take that the point back. Le fait que ce soit un joueur droitier, ça a pas complètement ouvert. Ouvert le jack, la botte bleue qui est toujours utilisable pour une poussée. Je pense qu'il va peut-être même décider de la rebouger encore, parce que s'il vient prendre le point sur le côté, son adversaire, ça sera vraiment très facile pour lui de pousser sa bleue. Voilà. Donc il a décidé d'y aller avec deux balles pour vraiment tasser la bleue d'en avant du jack. So he decided to go two time with a displacement. To really have the blue ball on the side of the jack and not in front of the jack. Now it's his turn to regain the possession of the jack by placing his next ball on the jack. But he will be after this shot down three balls. And he have to score two, so it's and it's a little bit short. So the Japanese player have to regain the jack, and I think can in one ball. We're looking at he's got a lot of space, and this is. But he will remove the red, I think, because he take the tutti in his hand. So il a pris la balle tutti, la balle plus pour les déplacements. C'est sûr que s'il vient se mettre en avant en déplaçant, puis un coup parfait après. Mettre deux points pour le joueur coréen va être quasiment impossible. Comme tu prédis, that's what we predicted that he would take away the red. Force his opponent to his next ball can take the point here. That's the goal. Donc il va forcer le placement direct. Le joueur japonais qui a un avantage de balle, le joueur coréen qui va déjà jouer sa quatrième, alors que le joueur japonais joue la troisième, mais c'est vraiment une balle complètement parfaite là, directement dans la ligne du joueur japonais. Comme le coup précédent, même en faisant une grosse poussée, il y a le risque que les deux balles restent collées. Donc c'est la meilleure shot possible de la part du joueur coréen là, et puis ça va prendre un petit peu de chance en plus d'un très bon savoir-faire au joueur japonais pour faire de l'espace. Ouf. Le joueur japonais, un joueur très puissant, Powerful shot. So is there no completely open? You can see that on the screen. You clearly see the line and the player going at the back of the box. Donc on peut voir la ligne, la trajectoire complètement ouverte pour le joueur japonais qui s'en va complètement en arrière de sa boîte pour s'ouvrir encore plus cet angle-là. That's going to be a good shot. If he nails that jack, he's going to be a little bit, he can be protected a bit there because. C'est un coup de victoire parce que s'il va coller le jack là, il ne reste plus que deux balles au joueur coréen. Donc,
Il n'a pas vu l'espace. Il l'a vu, mais il n'y a pas été. Il n'a pas été. Il l'a vu. Ce ne sera pas une mauvaise balle défensive pour la suite, si jamais. Mais ça prend d'aller au milieu. Là, il lui reste deux balles. Et c'est toujours en bon avantage sur ce match. Est-ce qu'il vient de reprendre le point? He has to take that point back right here. Which is done. That's. Je pense qu'il est content de son coup. With perfection, we can demonstrate that I was very happy with that shot. Even with the ricochet, we can come in, but that is going to be very difficult to beat. Yeah, and the current player have to score 2 points and only 2 balls in his hand. So if he use one to create space, he will not have enough score to score two. So. Yep, that's it. So I think it's a good sign for the Japanese player. Je pense que c'est un bon signe pour le joueur japonais. He could score maybe one if he ricochets off his red, but he's in there with the right hand. He'd have to back up quite a bit and be in the other box. Ouais. Le score importe peu dans cette partie-là. C'est vraiment comme le gagnant termine premier, le perdant termine deuxième. Donc je pense que le Japonais finira premier de ce pool-là et le Coréen deuxième, mais avancera quand même à la ronde suivante. Comme j'avais dit, le ricochet. Il a fait un ricochet pour aller prendre. C'est un peu court, pas suffisant. Le Japonais qui va sûrement aller voir, vérifier que le score avancé est bon. Et puis après, accepter cette victoire. I don't highly doubt he's going to put any other balls in play. No. He don't have All to. All he needs is a victory. He needs a victory. And like he has the score it right now. It's not important, so it will he's take done. It. He's just conceded his last ball and he's going to give it to the referee to confirm the entire process. So the final score will be confirmed by the referee here. I think he scored one. So one more blue, so bringing the total score 4-1 for Japan, and a good game to these two players, and as they advance, both of them advance to the final round, or the next round. So félicitations de joie, le pointage final 4-1 pour le Japon.